Radio préférée. Créole FM. C'est exotique. Coucou les gueules. Amour intense. Créole FM. Créole FM. Écoute ta voix. Apparemment, une première fois, il faut quand même avoir des souvenirs. Tropical Night. Tous Dieu, j'ai fait des faits, bon, on m'a dit, il y a que pour musique, comment t'es normal, il y a que Dani. Tropical Night. Amour intense. L'émission Tropical Night, Live Tour, la seule émission qui te rend totalement barjo. Dimanche, et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dani. Bonsoir tout le monde. Merci d'écouter Créole FM ce dimanche soir. Dimanche 12 juillet 2020 en tout cas. Avec Dani. Et Leslie qui est de retour. Doucement mais sûrement, ça va Leslie? Allez Dani, ça va et toi? Ouais, ça va, votre micro il grince. Ah. Et ben voilà. Allez, bon, bien sûr. Alors, bah oui, alors, bon, excusez-nous quand même, hein, parce que c'est des aléas du direct à la radio, effectivement. Hein, c'est, voilà. Alors, est-ce que quelque chose ou pas, vite fait, rapidement? Mais bien sûr, Dani, tu m'entends là? Je suis sûr que mon micro ne grince pas, là. Si, si. Eh ben, c'est un petit peu quand même. Ma fine baissée, t'es maman. Il doit être de l'application. Oui, parce qu'on a une mauvaise qualité par ici. Alors, Ah, d'accord. Ouais, donc, voilà. Allez, en tout cas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, en tout cas, sur Créole FM ce soir jusqu'à 22h. Donc, votre émission, le Tropical Night Live Tour spécial vacances, en tout cas. Bah oui, pour les vacanciers, les vacancières également. Donc, bah oui, en mode vacances, en tout cas, jusqu'à mois d'août. Bah oui, hein, donc, notre émission ne l'est pas en mode vacances. Nous bossons tout le temps, nous, hein, dans cette émission. Ah bah oui, nous, oui. C'est bizarre parce que... Attends deux secondes. Autre micro, on dirait... J'ai rien changé comparé à d'habitude, hein, c'est la même chose. Mais pourquoi Milena, il grince Ben, je ne sais pas. Baisse dans l'application. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais si je continue à baisser, on m'entendra plus du tout. Ah ben c'est bizarre parce que Milena le même. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il faut y avoir un test à 18h. Ça aurait rien changé. J'aurais pu reprendre et ça aurait grincé, hein, qui sait. Mais j'ai rien changé par rapport à d'habitude, donc ça doit être au niveau de ton truc à toi que tu as un problème. Non, y a pas, non. Bah tout à l'heure m'a fait le test avec Windy d'ailleurs, donc ça a bien marché. Mais c'est bizarre que la vote. Bon, bah c'est bizarre. Bon, bah voilà, c'est les aléas, hein, donc c'est les vacances. Ça arrive. C'est les vacances. Oh là là, c'est pas un drame. Ah ben bah, là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Okay. Bon, ben là, c'est okay, bon, voilà. Ouais. Ben voilà, touche plus rien. Je ne touche plus à rien. Ben voilà, là, c'est bon, voilà. C'est les vacances à Leslie, là, en mode vacances quand même, donc elle est vraie que, voilà. On salue quand même Lynn Angel qui dit bonsoir à vous tous, donc ainsi qu'à Dani, bravo, donc big up. Salut Lynn Angel, j'espère que vous allez bien ce soir, hein, donc tranquille, doucement. C'est les vacances, en tout cas, de votre émission, hein. Il faut bien être en vacances des fois. C'est le cas des animatrices ce soir parce qu'Anaëlle est en vacances aussi. Hein. oui, Anaëlle est en vacances. Non, Anaëlle n'est pas en vacances. Anaëlle qui arrive aussi doucement, mais sûrement en tout cas. Ce soir le programme, justement, donc la rubrique Tropical Girl avec Leslie tout à l'heure dans un instant, dans moins de oui, 10 minutes. Ça. Voilà, on aura une pause musicale d'ailleurs. Bah d'ailleurs, on va s'écouter tout à l'heure. Bah le nouveau titre d'Anaëlle avec Première Rencontre. On a également donc Cassie en featuring avec Benjam. On se promet donc Benjam sera notre invité sur le plateau de la télé donc le 2 août. Donc avec sa fille Cassie également. Donc ça sera l'interview donc de Benjam et Cassie. Donc le tout nouveau titre d'ailleurs de On se promet. On aura également donc Dimitri Vegas. Afro, bon, ça sera tout à l'heure aux alentours de, bah, juste après la rubrique de Leslie d'ailleurs. Voilà, pour ce soir. Également donc à 21h en télé, nous accueille bah, d'ailleurs Anaëlle, hein, la note culinaire, donc qui va commencer à préparer ce soir. Voilà. Donc, on verra, c'est la surprise. Surprise sur le gâteau. Et également donc nous accueille Windy, c'est midi, oui Windy, mais ça dit Windy,
Oui, c'est Windy, donc tout à l'heure, aux alentours de 21h10 sur Télécréo. Donc nous serons en simultané sur Créole FM ce soir. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus, spécial vacances, et qui dit vacances dit cadeau. Alors pour ceux ou celles qui veulent des nuits d'hôtel ce soir, donc c'est possible également, hein. Et tout à l'heure, Leslie va offrir quand même un petit soin tranquille, mais doucement, mais sûrement. Voilà, ça sera tout à l'heure, donc... aux alentours de 21h, oui, dans la rubrique Tropical Girl. Tiens, hein, mm-hmm, voilà. C'est ça. Également, si vous avez gagné des nuits d'hôtel, c'est maintenant. Hein, vous prenez votre téléphone portable et vous composez le 80-90. Ah, vous avez le choix. Donc, Nena, soit l'hôtel Villa du Lille à Saint-Pierre, soit l'hôtel Le Récif, soit l'hôtel Almanda, soit l'hôtel Floralis, ou soit l'hôtel Saint-Michel. Donc, dis donc, et c'est effectivement donc spécial vacances d'ailleurs, donc on en profite hein, de faire gagner des cadeaux. Pas mal, hein. Voilà. Et ben d'ailleurs, on va démarrer par du côté de Saint-Pierre, d'ailleurs avec l'hôtel Villa du Lille à Saint-Pierre. Donc, si ça tu veux jouer, il faut envoyer le mot détente par SMS au 80-90. Détente par SMS au 80-90. C'est un séjour pour deux personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Villa du Lille à Saint-Pierre. Voilà. Donc, si ça tu veux jouer, hein, donc nouvelle saison, le temps de jouer, en tout cas. Ou la finale là-bas ou l'hôtel Villa du Lille, Leslie? Non. Ben écoute, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Ah ben peut-être bientôt que ça va, hein. Bon, parce que Qui sait. Peut-être, bon, ben on connaît ma vie, le choix la semaine dernière de soit off-a-o, justement une nuit d'hôtel à l'hôtel Villa du Lille, soit un bon coiffure, mais elle préfère offrir un bon coiffure parce qu'à chaque instant, on entendra lui dire « Ok, il est mon coiffure, Dani, ok, il est mon coiffure », mais voilà. Mité entre deux cœurs, donc voilà, ma offre le bon coiffure. Et notamment, ben voilà, au PA. Ben, c'est très bien. Ben voilà, c'est très bien. D'ailleurs, quand c'est au foot brushing. Très bonne question. Ben voilà, très bonne question. Voilà, il offre un cadeau que pas quand c'est ça fait. Voilà. Mais il faut mieux organiser à moi, tes amis. Ben voilà, et ben tout de suite. Ben voilà, oui. Parce que Milé dans le sud, n'oublie pas. Hein, oui, ou là où pas moi, un affaire, il faut m'y déplacer à moi. Et d'ailleurs, on connaît. D'ailleurs, Floria Coiffeux sera avec nous sur le plateau de la télé le 2 août. Pourquoi pas qu'elle y fait un brushing tout doux. Ah mais faut arriver bonheur, hein. Oui, ben arrive bonheur. Ou quoi, il veut dire ça. Arrive bonheur. Un coup, là, Les Farid Bonheur, hein. Bon, si vous faites un brushing, mais tout ça, bonheur, tout ça. Et mais il fait mon brushing. Voilà, vous faites brushing, vous faites mais que puis que ça m'a offert, mais effectivement. C'était un shampoing soin plus brushing. Sauf voilà. Que je pourrais pas faire le shampoing soin, mais bref. Ah, il pourrait, hein. Il pourrait. Il pourrait. Mademoiselle. Il pourrait quand même, hein. Oui, parce que au studio, on a quand même un petit salon détente, hein. Attends, oh. Certes, mais bon, voilà. Il ramène un bac à cale, quoi. Bah oui, non, mais plaisante. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ah, pas, hein. Voilà. Et sinon, si vous n'aimez pas, il n'est pas grave. Il va faire le shampoing. Il va faire le shampoing. Le shampoing, mon case. Voilà, après, ou fait le shampoing. Voilà. D'ailleurs, donc, le temps que vous étiez joué, donc, m'était fait un petit peu la conversation avec Leslie, parce qu'il fait longtemps pour qu'on vieille. Donc, un séjour pour deux personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer le mot Récif par SMS au 80-90. Récif par SMS au 80-90. D'ailleurs, l'hôtel Le Récif, nous va annoncer aux autres également que nous redémarrons les hôtels très très prochainement, donc le mois d'août, donc les confirmés. Nous les à l'hôtel Le Récif, notamment donc le 16 août, le dimanche 16 août d'ailleurs à l'hôtel Le Récif. Donc tu pourras retrouver à nous en dire live là-bas, hein, et peut-être si tout se passe bien midi, peut-être en direct à la télé également. Voilà. Donc ça sera une chose cool. Première. Voilà. Oui, ce serait chouette, ça. On salue quand même ta fille, hein. Oui, Lolo. Salut Lolo. Laura qui aime bien faire des coucous. Bah oui. Voilà, salut Lolo, hein, qui aime bien faire des coucous. Également, donc, Le Récif, hein, et nous sommes du côté de l'hôtel Alamanda, d'ailleurs, donc un séjour pour deux personnes avec petit déjeuner inclus, plus repas demi-pension à l'hôtel Alamanda, que l'a fait la réouverture vendredi, hein, vendredi 10. On salue quand même toute l'équipe, d'ailleurs, donc si ça tu veux jouer, il faut envoyer le mot Alamanda par SMS ou 80-90, Alamanda par SMS ou 80-90. Un séjour pour deux personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Floralis ou même en famille, donc deux enfants de moins de 12 ans plus deux adultes.
pour tenter de gagner ce séjour pour deux personnes. Il faut envoyer le mot Floralis par SMS au 8090. Floralis par SMS au 8090 également. Pour la nuitée en famille, il faut envoyer Dodo par SMS au 8090. Dodo par SMS au 8090. Dodo, il veut aller Dodo l'hôtel. Oui, c'est ça. Ah, ou une petite case, je veux pas dormir, mais c'est moi, je veux aller dans l'hôtel. Non, mais n'importe quoi, Leslie. N'importe quoi. Comment on connaît? On m'y connaît. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe quoi, c'est la vérité. Un séjour pour deux personnes. En plus, là, en plus, nous, en mode de l'hiver, hein. Pour rentrer dans la piscine et piègre. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas profité comme il faut, là. Ouais, dommage. C'est ça. Mais de toute façon, voilà. Nova essaye. Mais c'est quand même l'occasion, on va dire, de sortir de chez soi un peu après ces mois de confinement. C'est l'occasion de sortir de chez soi et de se détendre un peu, quoi. Donc, ouais, c'est déjà beaucoup, hein. Ben, c'est ça. Lynn Angel qui dit, de temps en temps, lui faire son caprice. Axo Kozo Lynn Angel. Coup même d'avoir. Lynn Angel, on dirait heureux demain soir. Lynn Angel a levé, elle a levé pour moi. Madame, Lynn Angel a déconné. Lynn Angel, vous devez baptiser avoir en Dark Angel, les meilleurs. Avec le code bas des yeux de cou, là. C'est une petite série de belles, ça. C'est vidéo Dark Angel, là. Avec le petit code bar ouais. Derrière, tout ça, quoi. Tout ça, quoi. On salue quand même la Miss Adriana, qu'elle était avec nous d'ailleurs la semaine dernière, donc sur le plateau de la télé, également Rita. On salue quand même toutes les personnes qui étaient là aussi, hein, donc voilà. Lina Jack qui dit, comme d'hab, ça va, Miam, écoute Azot. Ah, ben oui, il m'y connaît, il m'écoute à nous. Ah, merci. C'est pour ça, on est notre badge. Super fan. notamment, donc, on continue avec les cadeaux ce soir. Donc, à l'hôtel Le Saint-Michel, donc, un séjour pour deux personnes à gagner avec petit déjeuner inclus. Pour tenter de gagner ce séjour, il faut envoyer le mot hôtel par SMS au 8090. Hôtel par SMS au 8090. Voilà. Donc, ça, c'est concernant les nuitées, hein, donc, que tu peux gagner pour les périodes de vacances, hein. Et d'ailleurs, justement, normalement, la semaine prochaine, mais dis bien, normalement, on aura un week-end. Donc, c'est pas un séjour, mais on aura un week-end. Donc, un week-end, ça, c'est deux nuits, donc, à gagner avec petit déjeuner inclus. Voilà. Donc, nous double la chance. Mieux. Voilà. C'est encore mieux, en tout cas, un week-end à gagner. Mais ça sera la semaine prochaine, notamment, soit peut-être mercredi, soit peut-être dimanche, d'ailleurs. Ouais. En parlant de mercredi, donc, ce mercredi, nous va recevoir, donc, avant de mettre la rubrique Tropical Girl, d'ailleurs, on va recevoir, justement, donc, Alexandra Mussa, si je ne me trompe pas. Oui, c'est elle, tout à fait. Mm-hmm. Qui sera avec nous tout à l'heure, enfin, de mercredi, voilà, à 20h30. Donc, une partie en télé, hein. Donc, après, on aura d'autres rubriques également. Mais que passe ma vie des invités pour mercredi? On n'en fait plus. Je crois pas. Eh ben, non. Ben, voilà. Tu vas s'y coller avec la rubrique Tropical Girl. J'adore. Eh ben oui, hein. De temps en temps, on a des interviews, mais de temps en temps, il faut avoir une petite rubrique quand même, hein. Il faut pas se laisser aller. Oui, hein. Mais ça ne me dérange pas. Pas du tout. Ben, voilà. En plus, tu sais, là, Mage Blanc, elle est revenue, là. C'est bien le gars intelligent. Ouais. Tu vois? Ouais, à demi. Quoi, à demi? Et encore même pas à demi. Un tiers, un corne, que par couille, mais... Leslie. Bon. Tu deviens désagréable, hein. Heureusement, ce soir... Pas du tout. Heureusement, ce soir, Mina, elle est off. Mais... Non, mais pas de moi, hein. Non, mais pas de haut, justement. Mais Anna, elle est pas là. Il est chiant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, regarde, ben d'ailleurs, on va s'écouter. Non, on va balancer la rubrique Tropical Girl. Alors, qu'est-ce que ça a causé à soir? Okay. Je vais parler du recyclage de nos produits cosmétiques. Quelqu'un dit ça parle des requins. Non, je vais parler de comment recycler ces... C'est cosmétique, en fait. Ah, d'accord. Ah, bah, disons, on salue quand même Yoa, hein. Yoa également. Yoa, des fois, elle fait des recyclages, elle. Oui, coucou Yoa. Voilà. Oui, j'ai pensé à elle, d'ailleurs, quand j'ai regardé tout ça. Ah bon? Ouais, bah oui, comme d'hab, hein. Et jamais on pense à moi, quoi.
Non. Eh ben voilà, Leslie pense à Yua, Leslie pense à Nem, mais jamais Leslie pense à Dani. Bah oui, bah c'est ça. Ouais, bah ok, bah c'est bon. C'est bon. Bah vaut mieux pas, parce que sinon, moi, on va dire c'est quoi ça, ou pense à notre bon nom. Non, mais. Non, mais Mathieu connaît lui. Mathieu connaît lui. Oui, lui connaît. Bon. Oui. On salue quand même Annabelle du côté de Facebook Live également, donc qui dit coucou à toute l'équipe. Est-ce qu'on a des messages de l'autre côté avant de démarrer vraiment cette rubrique Tropical Girl? Je n'ai pas regardé, mais je vais jeter un yeux. Ben voilà. Hein. un yeux. Et Mira Palazzotte quand même. Rapidos. Oui, bah, nous va rappeler quand même les fréquences de la radio, hein, Créole FM ce soir. 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, 107.9 dans le Sud-Ouest, également donc 104.5 dans le Sud Sauvage. Voilà. Donc, si tu veux appeler à nous en direct à la radio ce soir, les possibles, 0693-488-996, 0693-488-996, également, donc, si tu veux texter ce soir, c'est le 0692-170-862, 0692-170-862, voilà, pour les numéros. Les deux numéros fétiches. Alors, Miwa Kori. Alors, j'ai des petits messages. Alors, il y a Gilbert qui nous dit bonsoir à tous. Voilà, c'est une super fan, elle aussi. Il y a également Nathalie qui nous dit bonsoir. Il y a Cerise. Sur le gâteau. Cerise à la craquiness qui dit un petit coucou à toi, Dani. D'accord, ok. Bah, coucou à toi là. Tu as l'air gêné, Dani. Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Bon, ben, big up à Cerise sur le gâteau alors. On salue quand même Marie-Cindy. Marie-Cindy, comment elle est? Ça va, elle est bien. Mais voit que là, même petit coucou sur Facebook Live également. Et puis, coucou à Eliette aussi. Qui elle fait un petit coucou à son fils et à sa belle-fille de La Réunion. Elle leur dit gros bisous et elle nous demande de mettre un bon petit Sega pour eux. Donc c'est Eliette de la Métropole. Et puis Benjamin qui nous demande si ça va. Oui, ça va très bien. Merci. Voilà, bah, coucou à tous. Hein. On est content de vous avoir parmi nous. Et maman n'a pas le droit de répondre. Donc restez connectés. Pardon ? Moi, j'ai pas le droit de répondre, alors. De répondre à quoi ? Bah, le petit message de Benjamin. Si ça va, bah oui, ça va. Bah, ça dit, ça va pas bien ? Non, ça va pas bien, Benjamin. Je suis maltraité avec Leslie ce soir. C'est pas bien, ça. Non, je suis pas bien ce soir. Non. Oui, non, je suis pas bien. Oui. Voilà, Leslie ne pense jamais à moi. Elle pense que à Yoa et clair. À Annel, voilà. Moi, je suis un manque gâté. un mangaté, effectivement. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Mangaté à Théa. Voilà. C'est pas grave. Au moins, il y a la cerise sur le gâteau qui pense à moi, hein. Ah, c'est gentil à toi, la cerise. Exactement. C'est gentil à toi. Tu as tout compris. Voilà. C'est gentil à toi, la cerise sur le gâteau. Voilà. On va t'embaucher dans l'équipe. On vient Leslie, Yannel et Yoa. Bonne chance. Mais non, je plaisante. Je plaisante en tout cas. On balance la rubrique Tropical Girl en tout cas. Vient de passer de 23 ça minutes. Marche. Hein. Allez bon. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ce soir. Moi, je vais super méga bien et Dani, bon bah, il va pas bien parce que il maltraite Ali. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il est pas grave, Dani, il est pas grave, voilà. Mais nous les girls, nous les en forme et il faut nous reste comme ça, évidemment. Dani, nawaï après. Oui, et en tout cas, je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle rubrique. Donc, j'ai envie de parler avec vous ce soir du recyclage de nos produits de beauté, de nos produits cosmétiques, en fait. J'ai voulu faire cette petite rubrique beauté un peu ce soir parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une comme celle-là.
Et c'est vrai que à la base, nos rubriques étaient portées surtout là-dessus, hein, la beauté, la santé, etc. Donc j'ai voulu faire une petite parenthèse ce soir, une petite parenthèse beauté. Parce qu'en général, moi, je suis plutôt couple, psychologie, etc. Mais voilà, ça m'a paru quand même important de parler de ça avec vous ce soir. Mais avant de commencer la rubrique, je vous annonce le jeu du jour. Alors, il y a un an d'abonnement pour un soin ou un massage à gagner avec les déesses du Niagara. Donc, pour tenter votre chance et gagner ce très beau cadeau, il vous suffit d'envoyer Tropicado, T-R-O-P-I-K-D-O, par SMS au 80 90. Envoyez Tropicado, T-R-O-P-I-K-D-O, par SMS au 80 90. Alors, à vos claviers, parce que c'est un super cadeau quand même. C'est un an d'abonnement. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, on va démarrer cette petite rubrique qui est, à mes yeux, quand même assez importante parce qu'on parle quand même d'écologie, de recyclage. On parle de notre planète, tout simplement. Et tout ça pour dire que par de simples petits gestes, on peut, à notre niveau, changer les choses. Et il faut qu'on en prenne conscience. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience qu'on peut faire évoluer les choses, changer les choses, éviter l'accélération, on va dire, du réchauffement climatique, etc. Et pourtant, on le peut. Et si tout le monde le faisait, si tout le monde avait cette conscience, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, à vrai dire. Donc, évidemment, dans la cuisine, nous avons pris l'habitude de faire un tri sélectif de nos déchets, évidemment. En revanche, nous n'avons pas toujours, malheureusement, le réflexe de recycler nos cosmétiques dans la salle de bain. Donc, voici quelques conseils pour enfin s'y mettre. Et évidemment, il n'y a rien de plus simple. Donc, au quotidien, sans même nous en rendre vraiment compte, nous accumulons beaucoup de déchets. Donc, nous pensons à trier ce qui se trouve, donc comme je le disais, dans notre cuisine. C'est devenu automatique. En revanche, dans la salle de bain, le tri se fait rare, voire quasi inexistant. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'entendons pas assez parler du tri sélectif qui est possible dans notre salle de bain. Ainsi, une seule poubelle s'y trouve. Pourtant, certains des déchets de la salle de bain peuvent être recyclés. Il faut savoir qu'il y a 120 milliards d'emballages qui sont produits chaque année par l'industrie cosmétique mondiale. Parmi eux, on retrouve les emballages en verre qui peuvent être recyclés et des plastiques, dont seulement une faible partie est recyclée. Donc, il faut comprendre que les emballages de nos cosmétiques participent par conséquent à la pollution plastique grandissante auquel notre planète fait face quotidiennement. Donc, lorsque ces déchets ne sont pas recyclés, ils sont mis en décharge ou incinérés. Et si certains ne sont pas suffisamment bien captés, ils peuvent aussi finir dans les océans, ce qui aggrave encore plus l'impact environnemental. Le recyclage préserve l'environnement car il permet de réduire le besoin d'extraire, de raffiner ou de traiter de nouvelles matières premières, qui est un processus très polluant, notamment au niveau de l'air et au niveau de l'eau. Le recyclage est également moins coûteux en énergie que la création de plastique vierge, ce qui réduit l'effet de serre et réduit l'impact sur la planète. Alors, voici quelques consignes à suivre pour bien faire le tri des emballages cosmétiques. Les flacons en plastique, comme par exemple les flacons de gel douche, shampoing, de masque cheveux, les déodorants à billes, les crèmes pour le corps, etc., ils sont tout simplement à placer dans le bac de tri jaune. S'ils comportent une pompe ou un bouchon, il vous suffit de le retirer et de le jeter avec les ordures ménagères. Les flacons en verre, comme par exemple pour les fonds de teint, les crèmes, les sérums, les parfums,
les vernis à ongles, etc. Eh bien, eux sont à placer dans le bac vert qui est destiné au vert. Et évidemment, s'il comporte un couvercle, une pompe ou un bouchon, eh bien, jetez-le avec les ordures ménagères. Les aérosols en aluminium, comme par exemple la laque, le déodorant, le shampoing sec, etc., sont à placer dans le bac de tri jaune. Les étuis en carton, ainsi que les notices d'utilisation des produits de beauté, sont à placer dans le bac de tri jaune également. Alors attention, tous les cosmétiques ne peuvent pas être recyclés. Parmi ceux qu'il est nécessaire de jeter avec les ordures ménagères, il y a les déodorants en stick, le maquillage comme le rouge à lèvres, le mascara, le gloss, le fard à paupières, etc. ainsi que les tubes et pots en plastique. Les consignes de tri, vous le savez, peuvent varier selon les départements ou les communes. Donc pour être bien sûr de vous, pour être bien sûr que vous triez correctement vos déchets, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de votre mairie ou alors directement sur place pour avoir une brochure explicative. De toute façon, en cas de doute, il est fortement conseillé donc de placer le produit dans la poubelle des ordures ménagères. Car en effet, un emballage mal trié va contaminer l'ensemble du bac de collecte. Cela va ralentir le système de tri et le rendre moins efficace. Donc voilà. Maintenant, 6 petits conseils pour limiter son impact sur l'environnement. On reste toujours dans l'univers, évidemment, de la salle de bain. Eh bien, simplement, acheter des produits dans des emballages qui sont plus facilement recyclables, comme par exemple ceux dont le contenant est élaboré à partir de plastique recyclé. Réutiliser plutôt qu'acheter. Donc la réutilisation est toujours préférable au recyclage. Donc mieux vaut acheter des marques qui vont vous proposer une solution d'emballage réutilisable ou une solution d'achat en vrac. Évidemment, réduire sa consommation de produits de beauté, c'est-à-dire acheter des produits de meilleure qualité et seulement dans les quantités nécessaires. Donc, pour réduire au maximum vos déchets. Rapportez les emballages des produits de beauté en magasin. Ça aussi, vous pouvez le faire afin de les faire recycler. Maintenant, s'il vous reste du produit dans un flacon, mais que, par exemple, celui-ci ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez l'utiliser d'une autre façon. Vous pouvez verser dans la cuvette des toilettes les cosmétiques liquides qui ne contiennent pas de matière plastique. Et évidemment, une crème de jour, donc un pot de crème de jour, que cette crème était trop grasse pour vous, et bien va se transformer en un masque hydratant, par exemple. Donc, c'est ainsi que vous recyclez votre flacon. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, s'il est impossible vraiment de réutiliser le flacon ou que vous n'en voyez plus l'utilité une fois nettoyé, eh bien, déjà commencez par le proposer à votre entourage et vraiment en dernier recours, eh bien, envisagez son recyclage. Maintenant, je voulais vous parler d'un petit truc assez sympa. Donc, si vous souhaitez pousser en fait le bouchon un petit peu plus loin côté écolo, eh bien optez pour des cosmétiques qui ne contiennent pas d'eau. Oui, parce que ça existe. Voilà. Donc, avec l'essor des cosmétiques solides, les savons remplacent les flacons. Et leur particularité, eh bien, c'est qu'ils ne contiennent pas ou très peu d'eau. Ils ont été popularisés en fait grâce à des marques engagées. Ils sont souvent sans emballage et sans conservateur. Et attention, ils ne sont désormais plus uniquement dénichables dans les boutiques spécialisées. Donc
Par exemple, il faut savoir qu'un shampoing classique, c'est 90% d'eau. Donc, avec les cosmétiques solides, on fait des économies de ce côté-là. Et on gagne aussi sur le transport, car ils sont plus compacts. Donc, vous l'avez compris, avec les produits solides, aucun souci pour prendre l'avion. Et ils se conservent bien. Comme l'eau est favorable aux bactéries, les fabricants traditionnels utilisent des conservateurs. Les cosmétiques solides contiennent moins d'ingrédients et sont moins susceptibles de provoquer des allergies, attention, même si le risque, malgré tout, subsiste. Attention, on n'a pas dit qu'il y avait zéro risque d'allergie. Donc, on reste sur des produits d'hygiène. Parce que pour le moment, en fait, on ne trouve pas, ou pas encore, voilà, en tout cas, des choses techniques du genre des crèmes anti-rides, par exemple. On va trouver des pains et baumes de rasage, des après-shampoings, des démaquillants et des gommages en poudre ou des masques en stick ou en tissu imprégnés de la substance cosmétique. Alors, malheureusement, il y a un petit bémol. On s'éloigne un petit peu là de la démarche zéro déchet puisque ces soins sont emballés et l'eau est à rajouter à la maison malheureusement. Et oui, tout ne peut pas être parfait, mais malgré tout, la démarche reste noble. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses toi, Dani? Ben, moi j'en pense... Est-ce que tu recycles? Oui, moi je recycle souvent hein, d'ailleurs, je recycle pas mal d'ailleurs, voilà. Ouais. Oui, oui. Et toi, tu recycles, toi ? Oui, tous les jours. Alors, c'est vrai que parfois, j'hésite. Je ne sais pas trop dans quel bac il faut mettre quoi. Donc, quand j'ai un petit doute, je regarde un petit coup sur Internet pour voir un petit peu ce qu'on dit. Mais oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire un maximum, en tout cas, de mon côté pour recycler. On a l'impression, donc comme je le disais tout à l'heure, que c'est rien ce qu'on fait, mais au contraire, c'est énorme ce qu'on fait. C'est parce ça, que si les 7 milliards d'habitants qu'il y a sur cette planète prenaient le temps de recycler correctement ces déchets, eh bien croyez-moi, la planète serait complètement différente aujourd'hui. C'est ça, il faut faire toujours un geste de recyclage. Il y a Annaëlle qui l'a rejoint à nous. Ah, coucou Annaëlle. Coucou, bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Et toi, tu nous entends ? Oui, oui, ça va, je vous entends très bien. Eh bien, je viens de terminer la rubrique. Alors, bah voilà, les girls, hein, j'ai fait un petit point avec vous sur côté beauté, recyclage de ces déchets cosmétiques, etc. Mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé en fait dans vos démarches quotidiennes au niveau du recyclage. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Si vous démarrez le... Ah voilà. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour sur Créole FM ce soir avec Annaëlle, Kelani, doucement mais sûrement, hein. Oui, 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 oui. Oui, doucement mais sûrement, mais l'arrivée, comme il dit, hein. Il y a tant qu'il arrive, c'est l'essentiel, voilà. En tout cas, bonsoir tout le monde. Et contente d'être avec Zot ce soir, Dani, Leslie et toutes les personnes qui écoutent à nous ou qui regardent à nous sur Facebook. Donc voilà. On salue quand même Sylvestre également hein, qui dit bonsoir. Salut Sylvestre. Salut Sylvestre. Et puis ben on salue aussi Harry. Et puis il y a Cerise Dani qui te dit joli ton petit côté blond Dani. Ouh là là, il y a du love dans l'air. Ouais. Non parce que alors m'explique parce que du coup Leslie lui dit oui ben voilà moi je pense à Yo hein, quand elle fait la rubrique moi je pense à Annaëlle quand elle fait la rubrique mais personne ne pense à moi et ben du coup ben ce soir il y a une personne qui pense à moi. Ah ben c'est clair hein. Voilà c'est clair. Pour une fois.
Et pour une fois, là, tu es gâté. Ou plein, tout le temps, qu'il fait coucou, notre toute, mais il fait ou jamais coucou. Voilà. Mais là, en tout cas, cerise. Bravo. En plus, c'est cerise à la craquinesse, quand même. Hein. Oh là là. Ouais. Alors, ce soir également, donc Maman Lapin en Sanel, hein, parce que ce soir, bien évidemment, on m'a pas fait les off au début de l'émission parce qu'on n'était pas là. Mais ce soir, effectivement, donc c'est Anna qui va prendre son grade ce soir. Mince. Alors les off. Aïe. Les off. Oh là là. Bah oui. Les off. Mal à peu déjà. Non, vaut mieux pas la peur. Le principe du off d'ailleurs, c'est des enregistrements hors antenne que nous fait, hein, et que je t'entends pas. Et nous a fait des coups Vazad justement en direct à la radio ce soir. Chaque dimanche, donc dans l'une de nos émissions. Et ce soir, nous va démarrer justement par la note culinaire avec Annaëlle d'ailleurs. Donc elle a fait des enregistrements et du coup à un moment donné elle a lâché prise. On va s'écouter ça. Oh punaise. Oh mon Dieu. Juste une petite partie, c'est juste une petite phrase, vous allez sentir ouais. Justement ce côté-là. Ouais. Coucou tout le monde, bienvenue dans votre rubrique spéciale recette simple et facile, la note culinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une recette très simple à réaliser. C'est la tuile salée, idéale pour vos apéritifs. Voilà, et là, vous entendez, c'est pas possible, effectivement. Voilà, c'est tout à fait. Oh là là, c'est pas gentil, hein. Mais c'est gentil. Là où l'a pris vraiment le off le plus gentil. Hein. Voilà, c'est ça, parce qu'on avait d'autres off quand même sur l'enregistrement, mais bon voilà. Et d'ailleurs, donc dans la deuxième partie du off, donc c'était la version live d'ailleurs qu'on avait fait avec Erika à la guitare. Et avec LB d'ailleurs, donc dans le restaurant qui va suivre, Anna qui donne beaucoup des ordres, mais aussi LB a pris un petit peu pour son grade également. Et quand même. Ah, d'accord. Et voilà, LB photographie qu'on salue également. Et quand la chanson, quand justement Erika il fait les premières notes à la guitare, LB pense que c'est la chanson justement au tigre en mer. On écoute ça et on revient juste après pour débriefer sur les off. Quand on partit, vous faites le TD comme suivant. Faites ce couleur. Où l'a dû jeter à moi un sort. Il connaît pas que où l'a fait. Mais où l'a en mon cœur comme jamais il a été. Pour moi, ça y vaut de l'or. Et moi, je n'aurais pas pensé qu'un jour nous n'aurions pu être si amoureux. TD comme suivant. Et après tu décolles, tu m'en fais tout jusqu'à la fin. On a fait les deux médailles là seulement. C'est pas un peu trop long. Non. Occupe à où. Non, mais par contre, pour le moment, comme étant idiot, c'est un couplet refrain. Bon. Pour faire plaisir, monsieur. Non, non, même moi, je m'en ai plus. Non, et bon, oui, nous fait comme ça, vraiment. On a raison, par contre. On fait deux refrains. Ou t'es déconne sur moi, ou t'es déconne sur moi. Parce que, fois. Pas que elle est trop longue. Et après, oui, et après, moi, elle était amoureuse. Non, hein, hein. Ou t'es déconne sur moi, et là, où je fais, ou t'es déconne sur moi, et on fait le fin tout de suite, là. Ou t'es déconne sur moi. Comprends? Ou fait, quand nous l'a fini, mon lumière. Ou t'es déconne sur moi, le refrain en deux fois. Le couplet. Et après, le refrain on l'a fait une fois, et après le doucement, un refrain normal, et un refrain doucement. Et un refrain doucement. Comme vous l'avez fait à la fin. C'est bon. Voilà, à droite encore. Tu fais comment du coup? Parce que tu parles le début de l'autre. Mais d'accord. Oui, bah c'est bon. T'es arrêté, tu peux recommencer parce qu'il y a fait la connerie. Non mais là où ça vous dit. Mais bon, oui. Voilà ce qui se passe lors des répétitions. voilà ce qui se passe en fait en antenne. Ouais, en antenne. Bravo. Mais t'es fini, oublie ça. Ben on est très directive quand même. Hein. C'est ça. C'est ça. Vous l'avez vu, Leslie, hein, au cas où si vous voulez répéter avec Annaëlle ou connaît quoi, il y a ton ou hein. Au cas où. Voilà. C'est ça. Non mais pas grave. Elle a un caractère, moi aussi, elle a un caractère. Ouais, c'est ça. Elle m'a fait Zécléa, ça. Zécléa donne temps sec. Mais oui, mais c'est comme ça que les bonnes choses innées, non?
Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai que le pauvre, encore, hein, pareil, hein, où il a pris la partie la plus gentille. Hein, c'est ça. Ce sera là. C'est ça. C'est ça. Mais en plus, dans une partie, quand même, il a fait un fou rire. Mais il dévoilera pas, en fait, le. Il dévoile pas tout. Mais il dévoilera pas, en fait, le côté là. Salut, quand même, LB. LB que l'a essayé prendre ah, le. Occupe à où voilà. LB que l'a essayé justement prendre la partie de Frédéric hein, à Maudit. Voilà, mais bon, voilà. Ça reste quand même des beaux souvenirs en tout cas sur sur Créole oui. FM d'ailleurs. Donc voilà. C'est alors, des très bons souvenirs. Justement, là, ben, on enchaîne avec vous parce que cette semaine, notamment, donc Malavu que l'a fait sortir une nouveauté d'ailleurs. Donc mercredi, nous l'a diffusé sur Créole d'ailleurs. Donc oui. Première rencontre. Oui. Première rencontre, donc ça c'est une nouveauté c'est sur ton album, hein, que nous allons écouter dans un instant. Mm-hmm. Donc, première rencontre. Hein, le titre de l'album également, donc toujours disponible. Et il faut que Zoti reste un peu connecté parce que peut-être que Dany va peut-être donner à Zoti des albums à gagner. On ne sait pas encore, on réfléchit. Ah, peut-être à la télé ce soir, on sait jamais. Alors, si le corps est bon, peut-être que dans 15 minutes, on peut offrir. Ouais. Alors. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que vous faites la note culinaire ce soir? Oui. Oui. Il veut tout dire. Non, mais je Il veut dire, on m'a pas prévu rien, mais si vous voulez, m'en faire. Si vous voulez. J'adore cette émission, en fait, que des fois, il se passe on jamais comme on veut. Tout de suite à la tête à Naël, vous pouvez me dire. Non, bah, alors, bah, justement, bah, si tu veux pas faire ce soir, ne va faire pour dimanche prochain. Elle est bon? Oui, elle est bon pour dimanche prochain. Bon, bah, dimanche prochain, alors. Du coup, parce que tout à l'heure, dans un instant, nous accueillons Windy, d'ailleurs. Donc, voilà, nous va laisser la place à Windy, d'ailleurs. Mais bon. Oui, super artiste en plus. Voilà. Laisse elle la place. T'as pas besoin de 3 minutes de Je dis dimanche, tout le monde ne vantait plein. C'est clair. Alors là. Voilà. Et les autres, ils voient, comme il prépare une émission, les jamais, en fait, il se passe jamais comme il veut, mais c'est ça, il fait le charme, en fait. Bah, écoute, voilà. Moi, je pense que le charme de notre émission, c'est que nous arrivons à avoir des moments de suspense, de doute. Non, mais voilà, Dany, si on veut que chaque émission, il se passe exactement comme on veut, ben, engage des robots, moi. Ouais, et surtout vire à nous. Avec nous sera pas possible. Vire à nous, hein. Non, mais il fait un spécial robot avec. Non, mais de toute façon, dimanche dernier, il fallait bien. Dimanche dernier, il était sur le plateau, m'a pas gagné la parole. Donc, je la fous à moi dehors. Donc, c'est bon. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que dimanche dernier, pareil, hein. C'est une émission pas du tout passée comme nous l'a prévu, mais elle était tellement top. Messieurs, je calogue encore un message. Non, non, mais les pires que ça, mais il va raconter ta où. Ah. Quand t'as eu des propositions. Elle dit de Mouni reconnaît à lui dans le chemin. T'es où ouais. Depuis cette émission-là. Oui, t'es. Ah, bah de Mouni reconnaît à moi. Hein. Ah oui. Après, en même temps, hein. En même temps. Avec la. Bah oui. À la Dragon Ball Z. C'est clair. On peut pas te louper, hein. C'est on peut ça. Pas te louper, hein. Et on peut surtout, pas te confondre avec quelqu'un d'autre. Là. Et surtout, il roule pas en n'importe quel loto, hein. Loto orange, s'il te plaît. Exactement. Ouais. Orange, écoute, depuis de loin. Dans loto orange. Ouais. Le gars, pourquoi arrive Saint-Paul? La fine vue aille déjà. Ben, c'est clair. Bon. Et c'est où la cause de l'accident? La dernière coulin d'Awa? Ah non. L'autolègue est trop fort. Non, mais t'es fini. Alors, Marie Saint-Paul, t'es à 5 heures, s'il te plaît. Alors, hein. Ah. Ben, justement. Je n'ai pas que lui à l'arrivée, moi. Ah, ben oui. Mais bon. Ben oui, fallait faire la surprise pour fallait faire la surprise pour madame. Madame l'arrive 20h20. Ben oui, elle est arrivée en dernier. Ah, parce que ça, quand il arrive, il a dit, Annette, hey, maintenant, c'est plus une surprise, mais bon, c'est une surprise quand même. Hein. Ben oui, on a voulu faire bien les choses et tout. Ben oui, mais vous connaissez, moi, arrivée, on m'a rien compris, hein, moi, capté seulement Alors, à la fin, quoi, c'est tout. Tant qu'il arrive à 5 minutes du direct. Ben excusez-moi, t'es pas mon choix, voilà pour le coup. Alors, juste, ce qu'elle a su pré elle, en tout cas, parce que hier, elle regarde le replay quand même sur Télécréole, Malaga, le replay d'ailleurs de l'émission de dimanche dernier. C'est le passage quand Angel l'a mis sur le plateau et vraiment, Leslie, elle était vraiment beaucoup étonnée. N'est-ce pas?
Ben oui, mais c'est clair. J'étais en train de me dire, mais pourquoi Angèle est là? Est-ce qu'elle va intervenir ce soir? Est-ce qu'elle va faire quelque chose en particulier? Pourquoi elle est là, en fait? Non, j'avais pas du tout compris que c'était pour moi. C'était pour toi, effectivement. Quand elle a ouvert son sac, t'as compris. Ouais. Même pas. Et franchement, j'étais dans un état où j'ai même pas tilté. Quand elle a ouvert son sac, elle m'a montré. J'ai dit, c'est pour moi, ça? Pour moi? Pourquoi pour moi? Ouvrir. Oh là là. Bon, en tout cas. J'ai pas compris jusqu'à ce que le gâteau arrive. C'est ça. Et voilà, sur le plateau. Sur le plateau et sur. Et voilà, c'était la cerise sur le gâteau. En tout cas. Bien sûr. Un gâteau offert par. La note culinaire, quand même. Il était très bon, en tout cas. Très bon, oui. Nous manque la pause, d'ailleurs. Donc, on va s'écouter. À la fausse montant. On aura également donc, la nouvelle chanson de Anaël, Première rencontre. On aura également Benjam en featuring avec Cassie. On se promet, donc Benjam sera avec nous au studio de la télé donc pour le mois d'août. Prochain. Voilà, le mois prochain également. Sinon, le temps nous rajoute quand même une chanson. Allez, bon, on nous fait comme ça. Okay. Et rendez-vous à la télé dans un instant sur Télé Créole. Yes. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08. 02 62 92 57 08. Diaby. L'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société Diali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les nos priorités. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. Diali, l'humain au cœur de notre action. Besoin de prendre soin de vous, de vous embellir, mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne. Contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire. Appelez au 06 92 72 23 41. Chez Henriette Fleur à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptême, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Créole FM. Créole FM. Nouveauté. Nouveauté. Écoute Tawar.